alors que TF1 replongera dans les années 2010 à 2020 à travers 30 ans des émissions cultes, France 2 jouera la carte du divertissement ce samedi 25 juin 2022. Dès 21h10, Pierre Palmade investira elle, antenne de la chaîne publique avec la fine équipe. Pierre Palmades, et lance le défi de réunir une quarantaine des artistes pour chanter et interpréter des sketchs qu'il a spécialement écrit. Elle, occasion pour les téléspectateurs de France 2 de découvrir des duos inédits comme à elle, époque des grandes émissions de Varite. Muriel Robin accepte de se prêter au jeu ainsi qu'une quarantaine des artistes bien connus tels Carole Bouquet, Marianne Chazelle, Nathalie Baye, Eddie Mitchell, Nolan Leroy, André Dussolier, Christophe Willem, Véronique Sanson, Catherine Jacob, Salvatore Adamo et Isabelle Nanty. Gérard Lenormand, François Berland, Hugo Frey, Isabelle Boulet, Sheila, Chantal Ladezou, Anne Silla, Valérie Mérès, Dave, Vincent Niclot, Max Boublil ou encore Chantal Goya participeront également au premier numéro de la fine équipe, qui sera suivi de Drag Race France à partir de 23h25. Parmi les temps forts de la soirée, Carole Bouquet va se retrouver en Joconde tandis que Nathalie Baye se mettra dans la peau des une call girl. Enfin, Muriel Robin et Pierre Palmade revisiteront le mythique duo Laurel et Hardy. Avec la fine équipe, Pierre Palmade devra relever un défi périlleux. Son show sera proposé dans une case où France 2 accumule les difficultés ces dernières semaines. Le samedi 4 juin, elle a plongé sous les 10 avec le Club des Invisibles, jeu où Olivier Mine a succédé à Nagik, en présence de 1,53 million de francs, soit 9,7 ELS, ensemble du public. Jarry a hérité de la première partie de soirée du samedi 11 juin de France 2. Celle-ci n'a pas excédé 1,84 million de curieux, soit 11,3 ELS, ensemble du public, pour le lancement du Big Show. Laurence Boccolini n'a pas enrayé cette tendance le samedi 18 juin. Quel est votre comique préféré des 20 dernières années? N'a convaincu que 1,42 million de personnes, soit 9,6 et 4 ans et plus. Pierre Palmade parviendra-t-il à échapper à un nouvel échec inévitable pour France 2? Sa fine équipe devra composer avec une concurrence rude. Face aux 30 ans des émissions cultes de TF1, France 3 dégainera une fiction française inédite. Philippe Bas et Pauline Bression, héroïnes de Plus belle la vie, prendront la tête de elle, oubliée, Amboise. France 2 diffusera la fine équipe ce samedi 25 juin à 21h10. De Pierre Palmade sera suivi du premier épisode de Drag Race France, propose à 23h25.